On répète sans fin que le budget européen est déjà trop faible. Alors, pas question de le laisser à la merci des prédateurs. Comme en Russie, l'Europe a ses oligarques. Et comme en Russie, ils prospèrent dans les failles du système. Ils menacent notre démocratie en accaparant une part de nos ressources communes. Protéger nos intérêts financiers des prédateurs est indispensable pour redonner confiance aux citoyens et pour respecter l'argent public. Pour combattre l'opacité qui favorise les détournements, il nous faut des registres européens et a fortiori mondiaux des bénéficiaires d'actifs. Aujourd'hui, aucun pays européen n'exige l'enregistrement des bénéficiaires effectifs d'actifs tels que les biens immobiliers, les yachts, les jets privés et ou encore les œuvres d'art. Cela signifie que les pays sont aveugles, faute de moyens de savoir à qui appartiennent les milliards d'actifs détenus sur les territoires. Ouvrons les yeux des administrations fiscales, mettons en place de tels registres pour une Europe plus transparente, dotée de moyens de se défendre face aux prédateurs.